moment, les gendarmes, ils sont débordés, quoi. Ah bah quand ils sont pas à Ouistreham à éteindre des feux, ils filent à Bure pour les pompiers. Et quoi, les pompiers? Le feu? Ah, oui, oui, je vois où est ta confusion. Non, parce qu'en fait, les pompiers sont là pour maîtriser des incendies, qui sont donc des feux non maîtrisés, violents et destructeurs. Tu vois, par exemple, si tu fais un feu dans ta cheminée, eh bien tu n'es pas censé appeler les pompiers. Non. Sauf si tu oublies un tissu dessus. Bon, ça va? C'est arrivé qu'une fois, hein. On peut peut-être passer à autre chose, non? Donc, pour ce qui est des feux maîtrisés, pacifistes et non menaçants, là, tu peux appeler les gendarmes. Mais parce que c'est absolument agaçant d'avoir chaud, enfin. Mais c'est insupportable, oh là là! Surtout quand tu vis en Normandie. Et dehors, de surcroît. Ah bah ton corps n'est pas habitué. Mais tu pourrais connaître une sensation de bien-être passagère intolérable. Regarde. Par exemple, lundi prochain, il va faire moins 10. Et moi, je mettrai un point d'honneur à me tenir en faction devant mon radiateur, de manière à ce que personne n'y ait accès. Hein. Ah, mais c'est la moindre des choses. Ouais, il y a une super thalasso à Ouistreham. Piscine chauffée et tout. Piscine chauffée. Allô, la gendarmerie? Oui, je vous appelle parce qu'il y a des gens qui font chauffer leur piscine. Ah, bah c'est intolérable. Oh, le cornu est venu à Bure, tiens. De qui? Comment ça, de qui? Ah, le cornu de qui? Il a... Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Monsieur le cornu, le secrétaire d'État auprès du ministre chargé de l'écologie et de la transition solidaire. Et oh, tu sais, oui, il est venu pour discuter. Dommage que 500 gendarmes aient eu la même idée le même jour. Ah bah ça, c'est pas de chance. Hein. Un peu de nuit au débat. Beaucoup de monde, les hélicos, les bulldozers. On s'entendait plus parler, dis donc. Non mais t'imagines, toi t'as prévu une soirée intimiste de 15 personnes environ. Et là, t'as tout un escadron qui débarque. Ah, c'est pas évident, hein. Toujours délicat, hein. Je te dis, c'est toujours délicat. Ben oui. Surtout que je vais te dire un truc, je déteste être en rate de tu. Ah, mais je... Bon, tu seras pas étonné d'apprendre qu'ils ont tout saccagé, hein, à 500 personnes. Mais tout, hein. Plus c'est dommage, parce que je suis sûre qu'ils ont même pas pu discuter du sujet de fond, quoi. Les milliers de mètres cubes de déchets toxiques qui veulent enfouir sous terre, pour la... énième fois, ce n'est pas parce qu'on enfouit des choses sous terre qu'elles disparaissent, ok? Non mais ça fait des années qu'on vous le répète, on dirait que ça rentre pas, quoi. C'est valable pour tout en plus, hein? Les comptes offshore, les emplois fictifs, les affaires de harcèlement sexuel... Vous avez beau comme ça enfouir, ça finit toujours par vous péter à la gueule, hein? C'est dommage, tu vois, parce que... suffisait de demander aux habitants de Bure, hein. Et vous l'aurez dit si vous les aviez laissés parler. T'as vu la nouvelle série française qui bat tous les records d'audience? Comment ça, non? Mais si, c'est obligé que t'en aies entendu parler. Elle a même traversé l'Atlantique. Ah, mais y a un casting de malade, hein. Jean Reno, Nathalie Baye, Lynn Renaud. Non, c'est pas les ch'tis deux. Lynn Renaud, elle a joué dans d'autres trucs. En tout cas, là, c'est un truc, mais grandiose, quoi. Le testament de Johnny. Alors, le pitch. En gros, c'est une meuf qui a perdu son emploi, son mari, et du coup, elle empoche tout l'héritage. Sauf que le mec, il avait eu plusieurs femmes avant, donc des gosses, et ça se chamaille en mode « Oui, non, mais la maison, elle était pas vraiment à moi. » Franchement, c'est dégueulasse. Ah, mais passionnant. Tous les jours, il y a un truc, moi, je suis... Non, par contre, on sait. C'est un cancer qui l'a tué. Comment ça, d'habitude, c'est les scorpions? Non, mais c'est une production française, ok? C'est pas non plus le nouvel Indiana Jones, quoi. Bah, Jean Reno, il joue le rôle du mec qui arrive et qui fait... Oh, franchement, c'est pas très cool. Eddie Mitchell aussi, d'ailleurs. Ok, ils auraient peut-être pu un peu plus bosser les dialogues. Ah, attends, chut! On va savoir qui c'est le prochain guest dans le nouvel épisode. 5, 4, 3, 2, 1... Wouah! Oh, c'est dingue! Tu crois qu'il va les emmener camper en haut d'une colline et tout, taper dans un tronc d'arbre, faire un feu de camp? Oh, attends. Allô, la gendarmerie? Oui, bonjour, je vous appelle en fait parce qu'il y a Pascal le grand frère qui est en train de faire un feu de camp avec Eddie Mitchell. Ah bah, je vous en prie. Bonne journée! À part ça, tout va!